Salut tout le monde, ici Marc Brulard. Alors aujourd'hui on est à Saint-Dalmas-le-Selvage dans la Tinée et on va aller voir comment on fait des images en cascade de glace. C'est parti. Ça va Sylvie, la vie est belle. Ça c'était un autre discours hein. Et voilà, on est arrivé à la cascade de glace. Alors pour faire des images, que ce soit en cascade de glace ou en falaise d'ailleurs, souvent c'est plus intéressant que le photographe ou celui qui filme soit à la même hauteur que le grimpeur ou alors au-dessus de lui. Parce que d'en dessous, bah, évidemment, vous allez voir un dos de grimpeur et en plus on perd la notion d'environnement et de vide qu'on retrouve par contre quand on passe au-dessus où là, ça ouvre sur le vide qu'il y a en dessous du grimpeur. Alors évidemment, si on veut faire des photos du dessus, il va falloir accéder d'abord en haut de la falaise. Pour ça, vous avez trois possibilités principales. La première, tout simplement, bah, c'est de grimper. C'est-à-dire que vous prenez votre appareil photo, votre matos, vous vous faites assurer par quelqu'un, soit vous grimpez en tête, soit vous êtes en second, en moulinette. Et donc, vous allez grimper et vous demandez donc à votre assureur de vous arrêter à la hauteur que vous voulez pour faire les photos d'un autre grimpeur. La deuxième option, c'est de demander à un autre grimpeur ou à un copain guide, par exemple, si vous en avez un sous la main, d'aller accrocher une corde statique à un relais qui se situerait sur le haut de la falaise. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à remonter sur cette corde fixe et à circuler sur la corde pour faire les photos de la hauteur que vous voulez. La troisième option, mais qui n'est pas toujours possible, c'est de faire le tour. Souvent, il y a une voie d'accès qui est plus simple, la voie normale par exemple, et donc vous allez, pendant que les grimpeurs attaquent l'ascension, faire le tour par une voie plus simple, allez vous poster en haut et éventuellement descendre en rappel dans la face pour aller faire les images. Pour nous aujourd'hui à Jalorgues, c'est ce que je vais faire. En fait, je vais contourner par la forêt la partie raide qui est ici pour aller me placer directement à un relais au-dessus qui est dans la grotte. Et c'est de là-haut que je vais utiliser une corde statique pour me déplacer au-dessus des grimpeurs et faire des images. Allez, il n'y a plus qu'à monter, c'est parti! Ça y est, je suis arrivé au sommet de la voie et justement il y a Flavien qui arrive dans l'effort. Alors pendant qu'ils sont en train de changer de grimpeur en bas, moi je vais m'installer pour accéder avec ma corde fixe à la partie qu'il y a ici là, pour pouvoir surplomber les voies et me déplacer un petit peu et varier les angles. Pour faire ça, il va me falloir un petit peu de matériel. Je vais utiliser une corde statique qui est adaptée à la remontée sur corde et puis à la descente en rappel quand on sait qu'on va pas prendre de choc dessus. Un gris-gris. Ce sera mon appareil d'assurage principal, c'est celui qui sera au pontet de mon baudrier. Pour la partie remontée sur corde, je vais avoir une poignée jumar, la classique. Et sur moi, j'ai pris pas mal de sangles, quelques mousquetons et quelques dégaines qui vont me permettre de faire en fait des déviations. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai une traversée à faire pour aller accéder au point où je veux filmer. Et bah, sur les relais ou des points intermédiaires, je vais poser un mousqueton qui va me permettre de faire une déviation et donc d'éviter qu'en cas de glissade, eh ben, je fasse un trop gros pendule par rapport à mon dernier point. Et pour faire ces déviations, je peux aussi utiliser des broches à glace, vu qu'aujourd'hui on est sur la glace. Si je veux aller encore plus loin sur la cascade, je poserai des points avec les broches. Bon, eh ben, on a un peu de temps avant que le prochain grimpeur ou la prochaine grimpeuse arrive. Donc je vais vous montrer comment je m'installe. C'est parti! Alors il y a un truc qui est sympa ici à Jalorgues, c'est que il y a un point là, juste là, un spit, qui va me permettre de me sécuriser dès l'approche de la cascade. C'est parti, on délove la corde. Alors pour m'installer, je vais mettre un mousqueton là-haut. Voilà. Là, ça aide d'être un peu grand. On met un mousqueton, un cabestan. Voilà, les deux oreilles qu'on rassemble. Je le mets dans le mousqueton. Je serre bien. Et là, ma corde est prête pour aller accéder à la cascade. Avant de partir, on va quand même préparer la corde. On va commencer par faire un nœud en bout de corde parce que je vais faire du rappel et donc c'est le minimum de la sécurité. Voilà, un petit 8 double. Alors ensuite, pour me déplacer, il va falloir que j'emmène ma corde avec moi. Mais je ne vais pas la laisser traîner dans le vide parce qu'en plus, ça va gêner les grimpeurs, elle pourrait faire tomber des pierres, etc. Donc, en fait, je vais la préparer, je vais la lever en faisant comme ça des oreilles de cocker. Donc, une de chaque côté. Et on fait toute la corde comme ça. Alors, une fois que la corde est levée, en fait, il va falloir l'attacher à votre baudrier. Donc moi pour ça je vais utiliser ici une longue dégaine par exemple. Je repère la sortie de la corde et je l'enferme comme ça dans ma dégaine que j'attache à mon porte-matériel. Et en fait c'est ça qui va me servir de dérouleur de corde au fur et à mesure que je vais avancer. Et donc on est prêt à y aller. Je vais m'encorder sur le gris-gris. Allez, c'est parti! Alors faites super attention quand vous êtes sur du terrain comme ça, vous voyez c'est tout plein de pierres là. Et je sais qu'il y a les copains qui sont en train de grimper en dessous. Donc faites gaffe en particulier avec votre corde à pas balayer un rocher et à le faire tomber dans la face parce que ça ferait pas du bien. Alors ici j'ai un premier relais donc je vais en profiter pour me sécuriser, mettre un premier point de renvoi. Et donc là, pour ce point-là, je vais mettre tout simplement une dégaine dans le point du haut, là, pour pouvoir passer au-dessus de leur corde. Donc là, voilà, je suis tenu sur le renvoi. Je vais pouvoir continuer plus loin sur la cascade. Et je récupère l'appareil photo parce qu'il va bientôt me servir. Je vais laisser le trépied ici. Et je vais reprendre l'appareil photo autour du cou avec la sangle. Une bonne technique là, c'est de passer le bras à l'intérieur des sangles et de le mettre sur le côté pour progresser, comme ça il ne nous gêne pas, il est dans le dos. Et là je peux y aller, toujours en faisant attention aux cailloux. Voilà, et là c'est le principe de la descente en rappel sur le gris-gris. Et on peut y aller. Donc là j'arrive à un relais, je peux me vacher, voilà, tranquille, comme ça je vais pouvoir installer un point en étant sécurisé. Donc là bah carrément, tant qu'à faire je vais mettre un mousqueton là sur cette plaquette. Et mon point de renvoi, et ben en fait je vais faire carrément un cabestan. Comme ça je sais que je vais tirer ici maintenant et ça évite que... il y a du frottement à d'autres endroits sur la corde que je ne maîtrise pas. Là, je sais que ce point-là, je l'aurai en vision directe. Et donc, je pourrai gérer mon frottement, vu que je vais, moi, balayer en dessous dans l'alignement de ce point-là. Alors, on lâche un peu de mou et on fait un cabestan. Voilà, donc maintenant, je suis tenu sur ce mousqueton. Et je vais travailler dans l'axe qui est autour de ce point-là. On va pouvoir descendre maintenant. Ah, t'es déjà remonté, toi? Ah ouais, bouillant quoi. Alors là, bah, j'en profite, je suis en position pour faire quelques photos là. Donc ce que je fais, je sécurise mon gris-gris en faisant un nœud sous le gris-gris. Comme ça, je sais que même si la corde venait à glisser, je serais arrêté par ce nœud là. Voilà, et là, je peux prendre l'appareil photo, j'ai les mains libres. Et c'est parti, on peut shooter. Voilà, vu que je peux pivoter autour du point que j'ai mis là-haut, je peux m'écarter un petit peu pour prendre du recul et qu'on voit le paysage. Elle est sympa cette photo. Et donc voilà, pour vous montrer comment je suis installé, donc j'ai le gris-gris. Je suis attaché sur mon point de renvoi là-haut, donc sur un cabestan. Et ensuite, j'ai ma traversée avec le renvoi ici. Et mon premier point d'attache qui est là-haut sur le spit. Alors en attendant, je vais changer d'objectif. Je vais passer sur le 85 pour faire quelques plans un peu plus proches. Alors là, c'est un peu un moment critique dans ces configurations là où on est au-dessus du vide. Parce qu'il faudrait essayer de ne pas faire tomber l'objectif, quoi. Alors moi ce que je fais, c'est que je prends l'objectif que je veux mettre sur l'appareil photo dans la main gauche là, je mets au-dessus de mon sac l'objectif que je veux enlever, j'enlève le bouchon, je le mets dans la bouche, ah, mais je vais plus pouvoir parler après. S'il y a un peu de poussière ou quoi, on passe un petit coup de pchit. Et ensuite quand je suis prêt, donc je déverrouille l'objectif que je veux enlever pour le faire tomber dans le sac à appareil photo. Et après, je monte le plus rapidement possible le deuxième objectif. Allez, c'est parti. On remet le bouchon sur l'objectif qu'on vient d'enlever. Au fond du sac, on ferme le sac. Et voilà, on est prêt à shooter avec le 85 1.4. Donc vu que je suis descendu un peu dans la paroi, là je suis dans le vide, donc c'est pas très facile de remonter juste à la main comme ça sur le gris-gris. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma jumare. Donc je prends la jumare, on déverrouille les dents, je la mets sur la corde, je mets les dents. Et là je vais l'attacher, je vais la sécuriser, voilà, sur ma longe. Bon là c'est pas très important, de toute façon je suis sécurisé par le gris-gris, mais on sécurise la corde dans la poignée. Et c'est parti, on va pouvoir remonter comme ça là. Je tire sur la poignée, je me hisse en ravalant la corde du gris-gris, c'est lui qui me tient maintenant. Et ainsi de suite. Allez, c'est parti. On fait attention à la corde qui est en dessous de nous. Si besoin, on refait une oreille. Voilà. Et on continue. Et voilà, je suis arrivé au relais. Je peux enlever ma jumare. Hop. Ensuite, je viens enlever mon renvoi. Voilà. Il faut faire attention, il faut être conscient que maintenant je suis tenu directement par mon prochain point, donc là j'ai un pendule potentiel si je tombe. Et on ravale en revenant doucement de là où on est venu. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On a fait quelques images sympas, c'était cool. Si ce format vous a plu ou qu'il y a encore des choses à améliorer, je vous laisse me le dire en commentaire. Et si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type où j'aborderai d'autres sujets liés à la prise de vue en lien avec la montagne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!